Wesh le gang gang, c'est Fico, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, comme d'habitude, toujours le sourire. Bah oui, mon igloo. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent de base pour mes compilations. En ce moment aussi pour mes facecam, mais beaucoup pour mes compilations. Donc, je me suis dit, je vais faire une chaîne spéciale compilation. Je mettrai juste ce passage en début de chaque best-of, car chaque compilation que je fais, j'essaye de varier les sujets et je passe plusieurs heures dessus. Donc, rien que pour ça, mon igloo, n'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu pour soutien, un petit commentaire et surtout vérifie que t'es bien abonné à la chaîne et que t'as activé la cloche des notifications. Bien sûr, je continue mes facecam, ça sera sur cette chaîne et sur la chaîne Fico TV 2.0. Aussi, pour ceux qui veulent tout mes freestyles, c'est la chaîne Fico TV 3.0. Pour ceux qui arrivent, ça va être compliqué, mais bon, à force, vous allez vous y faire. Demandez à mes premiers abonnés. Enfin bref, le gang gang, je vous laisse avec la compilation. La Palestine, c'est chiant, c'est mieux les PD qui se font relooker. Envoyez-moi de la weed sur scène, j'ai rien trouvé. On s'aimait. Qui va attendre le mythe. Au passage, mon igloo, pour ceux que ça intéresse, n'hésite pas à venir t'abonner directement sur mon Instagram. De nombreux concours, cartes cadeaux, etc. à gagner. Bien sûr, que pour les personnes abonnées. Enfin bref, je vous laisse tranquille. J'oublie pas qu'on part de rien, donc quand ça va pas, je tape des barres de rire. J'ai mon choix, c'est que je suis pas serein, donc je vais tout planquer à la garderie. Et je sais pas ce qu'ils me veulent, peut-être que je leur fasse peur au désert, ils gueulent. Eux ils bandent sur des mafieux, nous à part, puis on n'a pas d'idole. J'suis plein de soucis, j'ai pas mis d'or. Frérot, j'vends la mort, ça m'écœure. Et je passerai m'occuper de son corps. La Palestine, c'est chiant, c'est mieux les PD qui se font relooker. Secret pour tenir le coup en tournée. C'est le sommeil. Le sommeil est important. Non, faut privilégier, faut pas déconner. Work sur Francis Cabrel, ça a l'air complètement improbable. Je crois que je lâche une larme sur Macarena et je crois que je freestyle sur Météo pour parler de la concurrence. Météo, Météo, putain. Il y a une frontière entre ton rap et ta vie normale. Le micro est la frontière. D'accord. Tu décrire ta musique en trois effets sonores. Non. Envoyez-moi de la weed sur scène, j'ai rien trouvé sur le campus, bordel. Balancez-moi de la weed, bordel. J'ai eu une licence Matinfo. Et voilà. Voilà jusqu'où j'y suis allé. Le plus sérieux. Sinon, j'ai aussi une attestation comme quoi je suis technicien son. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. Je l'ai. Tout le monde s'en branle, évidemment. Est-ce que tu dirais rappeur ironique un peu? T'as un regard plutôt ironique ou je sais pas, parce qu'il y en a beaucoup qui disent c'est absurde, mais en fait il y a une vraie réflexion quand même dans tes textes, donc comment tu décrirais? Je dirais qu'on peut pas rester tranquille dans une loge ici, c'est quoi ce bordel? Et des moments que je trouve très très émouvants, par exemple, il y a cette phrase: parfois j'ai honte quand je pense qu'à me droguer et à baiser vos filles comme un putain de vacancier. Je suis d'accord, c'est émouvant. Moi-même, je suis ému quand je l'ai écrit. Je trouve ça très. La première fois avec une fille, c'était mieux qu'avec un garçon. J'ai jamais osé. J'y ai pensé avec mon chat, j'ai grandi à ses côtés. J'y ai pensé, mais jamais. J'ai jamais passé le pas. Trop de respect. Je pense que le premier seum développé dans le morceau seum, c'est que C'est sûr que je prendrais une méga cute avec Gérard Depardieu, ça a l'air d'être un méga buveur avec des méga anecdotes, c'est vraiment le roi de la street, Gérard Depardieu, si je dois prendre une cute, c'est avec lui. Ouais, je taperais un verre avec Sylvain et je passe la soirée avec Emmanuel, c'est sûr qu'il va ramener toutes les méga bitches. On compte les amis, oh! Pense les pécules! Hey! Tu fous que la oui! Hey! Mais c'est pas les légumes! Ok, no, the squad! Un rituel avant de monter sur scène. Sexy de ma vie. Alright. L'apéro, l'apéro. Ça fait bonjour, l'apéro. J'avais 16 ans, j'étais un horrible. Je hurlais sur une pauvre fille qui ne voulait pas copuler. On a tous eu 16 ans! Ou 15 ans d'ailleurs, je sais plus, j'étais un horrible en tout cas. Ah bon, parce que... Il y a matière à débat. La première chose que tu regardes chez une femme? Son aura. Non, c'est vrai, je regarde son aura. Non, mais on te croit. Ouais, de ouf. Non, c'est vrai, même de face, il y a des femmes qui ont des auras merveilleuses. Ce qu'elles dégagent, c'est ça? Le dos aussi, il y en a qui... Enfin, je veux dire, c'est l'aura, ouais, il y a un truc qui... Il y a un truc, quoi. T'as rappé à 17 ans? À ce moment-là, t'étais dans un lycée privé catholique, c'est ça? on est en train de le perdre. Après, il y a le titre « Je t'aime », où là, je me dis, bon, il va parler d'amour, on va le découvrir sous un autre...
Parce que tu dis je t'aime même quand t'es plus là, quoi. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment le morceau de l'amour éternel. Je trouve que c'est genre vraiment un amour divin, sans concession, sans compromis, sans possibilité de changement, quoi. C'est là et ça restera là pour la vie. Et c'était pour qui ce je t'aime? Bon, très bien. Alors, prochaine question. Je vois dans les attitudes, dans les gestes, dans l'harmonie, dans la souplesse. Ce que je vois tout de suite. L'harmonie sur un visage, c'est très important. Tu sais détecter un visage harmonieux et un visage un peu... Ah, je sais qui c'est qui chie dans sa caisse et qui ne le fait pas. D'accord. Je pense qu'on en a parlé durant toutes les interviews. Et du coup, je me suis arrêté sur une punchline. Donc... C'est fuck tous les blancs qui s'efforcent de sucer devant les souffrances, devant les autres souffrances. Bico, blaco, niakoe. Nique ta madre. Est-ce que c'est à la vidéo quand tu galères à dire la phrase? Non. Ah, c'est nul. Aller. Qui va atteindre le million si. Dans les subs, j'entends beaucoup de boum. Et j'adore ça. Je trouve qu'ils font de la bonne musique. On te définit comme un rappeur ironique. T'aimes bien jouer avec l'absurde, mais finalement. T'es un amoureux des mots quand même. Ah, moi je suis un amoureux des mots. Moi mon premier amour c'est les mots de toute façon. Je suis très peu branché sur les femmes. Bah tant mieux. Pour les fans, je sais pas. Je sais pas, pour ceux qui viennent t'écouter en tout cas. Mais sinon en fait, est-ce que je suis ironique? En fait, c'est ma manière de m'exprimer. J'ai tendance à prendre les choses à la rigolade. Je trouve que ça tire les choses vers le haut plutôt que de les prendre très sérieusement et de dire que c'est très triste. Et c'est juste moi qui suis totalement bizarre et qui suis gêné avec eux, mais non, j'essaie d'être gentil. Il y a un espèce de... Blocage. Ouais, il y a un malentendu parce qu'eux, ils me connaissent beaucoup. Et puis moi, pas du tout. C'était le manager de Bald. C'est une grosse dédicace, 357. Drogue pas, par ma main je me drogue pas. J'essaie de marcher droit et avec le dealer fait décroche pas. Ouais, vraiment loup, là on fait un tournoi de là. Ok, donc la France. Ouais, on fait quelques dates en France, une quinzaine de dates je crois pas. C'est la fin de la tournée. Ouais, des gros dates, des lignes, des trucs comme ça. Ouais, il y a 4-5. Ah ouais. Les couilles, hein. Je m'en bats les couilles que le SMIC il augmente, je m'en bats les couilles que le chômage il augmente, je m'en bats les couilles que le RSA il augmente, je m'en bats les couilles de la retraite. Tu fais ton truc. Non. Pire souvenir d'école. Ouais. Mauvais souvenir quoi. Ou dans ta jeunesse. Tu veux dire un truc qui m'aurait traumatisé? Ouais. Et qui te traumatise peut-être encore aujourd'hui, je sais que pas. Que certains soirs j'y pense encore. Exactement. Une pétasse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'appelait bébé et tout ça, mon bébé et tout. Et moi, pour moi, ça comptait énormément. Et puis, il s'avérait qu'en fait, elle m'aimait pas du tout. Pourquoi t'appeler comme ça, quoi? C'est une salope! Elle voulait se servir de toi, c'est ça? Grave, Lane. Tous les jours, je me réveille. Tous les jours, il y a des nouveaux tweets de gens outrés de l'interview Ardisson. J'ai grave la haine. Je déteste la télé. Ça pue du cul. Ça dégage la télé. Déjà, c'est 4 heures de tournage pour 6 minutes d'interview. J'ai grave la haine. Ensuite, il me dit « Bonjour, ta première touche à 9 ans. » Ensuite, il me demande « C'est quoi d'être blanc ?» Ensuite, il me dit « T'es le Eminem français. » Non mais... Et la surprise, il arrive à finir sur « Et au fait, ton frère Muse, est-ce que tu l'envies ?» Mais c'est quoi déjà cette question, putain de tasse? Hein? Elle voulait servir de toi, elle servait de toi, ouais, c'est quoi? Ouais. Tu sais, quand t'es petit, la barrière entre amis... c'est très flou tout ça, tu sais. Ouais. Voilà. Et toi, t'étais à fond? Ouais, bah moi, pour moi, ça comptait beaucoup qu'elle m'appelait mon bébé, j'avais l'impression que... on s'aimait. Non mais on est... Déjà, j'en parle dans une interview écrite, il y a 4 ans, mon frère, j'en parle jamais. Et bim, il me fait son outro là. Et là-dessus, il insiste. Mais il est musulman. Après, c'est sûr, moi, j'étais pas préparé, je dis une connerie, je dis... Bah, mais il est revenu à ses croyances de base. Et là-dessus, tout le monde qu'applaudit, oh, trop marrant. Trop bien. OM ou PSG? Je dirais vraiment les deux, parce que la France, c'est les deux. C'est d'un côté le PSG et l'OM. C'est les deux, c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est l'universalité, je veux dire, voilà quoi, l'oseille. Mais le pire, c'est que moi, je vois bien que c'est hors propos tout ça. Je vois bien que, tu vois, je suis venu parler de musique et que, franchement, ça regarde personne tout ça, en fait. Ça veut dire, je leur dis retirer. Et ils ont dit, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème, on retire, ça sert à rien. Rien qu'ils me disent oui et ils le publient quand même. J'ai grave la haine. Rien que les gens ils disent ouais, il a pas pris ses antibiotiques, pas d'amalgame et tout ça. J'ai grave la haine. C'est fini la télé, ça dégage. Hein.
Franchement, je veux plus mettre les pieds bas. Ils connaissent rien, ils ont des axes douteux, j'ai grave l'air. Ah mon gars, on a une méga tournée, on est platine, tout se passe bien. On est en train de tout niquer et il arrive à me faire ce genre d'interview. Non, franchement, c'est pas sérieux. C'est fini la télé, c'est fini. Killington, nouveau flingueur de 16 bars. Mister Giacoma et alias le désingueur de Fespal. Slacker incontesté, façon branleur qu'on teste pas. J'ai des soucis, des broutilles et des toncars qu'intercale. Vert pâle, j'suis laminé, laminaire et presque qualité. J'suis fatigué de m'agiter entre panique et fiscalité. Marqué par toutes ces heures enfoncées dans mon canapé. Harassé, j'suis fascinant, façonné, façon arraché. Merci beaucoup, Val. Je rappelle le dernier album, Agartha. Merci de nous avoir suivis, à bientôt. Eh bien salut à tous, c'est Fico. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'avais une chaîne de 50 000 abonnés qui s'appelait Fico Primera. Elle a récemment été clôturée par YouTube pour du contenu trop violent. Mais bon, on va pas discuter avec YouTube, quoi qu'il arrive, je serai perdant. Donc pour le lancement de ma chaîne YouTube, je sélectionnerai 3 personnes parmi les commentaires. Bien sûr, pour participer, il faut liker la vidéo et être abonné à la chaîne. Tout sera vérifié. Donc si ce n'est pas fait, je ne prendrai pas en compte votre commentaire. Les 3 personnes gagnantes seront contactées en message privé YouTube ou par mail. Bonne chance à tous et bonne vidéo. Je trouve mon inspi sous fumée de la peuf. Tu vois en vert, il fait tout gris devant l'OPJ, c'est le poker, rien que ça bluff. Fils de procédure, genre j'ai rien compris. Frérot, t'as tourné pour moi, tu te rappelles. Que Dieu me fout droit si j'oublie, de façon moi j'étais présent toute la peine. Dès que tu sors, on va doubler. Allez, suis-moi, on va chercher la paye. Viens, on va rabattre, elle m'a pas plus la veille. Jamais en messagerie quand j'éteins ne m'appelle. Je me rends pas compte, j'ai déjà fini la taille.